combat aircraft you can see flying in the sky today on such a flight display. Keep your video running because now comes Her Majesty, the Queen of the Skies, the Whispering Giant, courtesy Airbus and British Airways, because this one has the British Airways livery on it. Here comes the Airbus A380. Avec les compliments donc d'Airbus et de British Airways, puisque cet avion est aux couleurs de la grande compagnie britannique, voici donc l'A380. The aircraft is flown today. Is flown today by two sailors, and they insist they come from the French Navy, where they were flying military machines before becoming test pilots, civilian test pilots with Airbus. Christophe Caille is the captain and Thierry Bourges is a co-pilot, and their flight engineer is one of the world authorities in terms of Piper Cup folklore. He is GG Desbois, chief test engineer on the A380 when it comes to professional flying. La 380. Allez, le manche à droite. Ce qui est bien dans ce genre de manifestation, c'est qu'il y a des moments de beauté pure, et en voici un. What's valuable in this type of air show, air display, is the fact, the due fact, that there are moments of pure beauty. And here is one. Bien entendu, je pourrais vous donner des tas de données commerciales sur la 380, vous dire que, eh bien, il y a plus d'une centaine de ces machines qui sont déjà en service de par le monde, qu'au total il y a 262 commandes pour 20 compagnies aériennes, et que le compte continue, puisque récemment des contrats ont été signés ici même, ou annoncés ici même. Je vous dirais que cet avion peut transporter jusqu'à 800 et quelques passagers, il a été certifié pour ça, cet avion est considéré par ceux qui le prennent comme passager, comme l'engin le plus confortable à avoir jamais navigué à travers le ciel. Mais finalement, il vaut peut-être mieux le regarder voler, tout simplement, et s'émerveiller de la facilité, de la docilité avec laquelle ce géant obéit à celui qui le guide. C'est pas un avion qui se pilote, on lui dit pas fais-moi ci, fais-moi ça, non, on le guide. Avec les commandes de vol électriques dont il est équipé, avec l'aérodynamique dont il est doté, avec la poussée qui est donnée par 4 Rolls-Royce Trent, des drôles de moteurs ces Trent, des moteurs à l'intérieur desquels par exemple la température atteint la moitié de la température du soleil, et pourtant ça marche et ça tourne et ça fonctionne. Et donc cet avion est un merveilleux condensé de cette espèce de magie à laquelle on est arrivé aujourd'hui dans l'art de dessiner et de construire des machines volantes. Ah, si Blériot et les frères Wright avaient pu voir ça. Looking at this, you just wonder what would the Wright brothers or Louis Blériot would say, looking at that just one century after they started to fly. We've come a long way, and this is pure magic. Of course, I could drown you in commercial numbers, remind you that over 100 of those aircraft are in service today around the world, that 262 have been ordered by 20 airlines around the world. But, well, let's just look at it and enjoy it. That's beauty.
nice, hein. Now comes the end of it, the push over the hill, landing gear ready to come down. Just push it now, 08G, and the gear comes down. A collection of wheels just sprout under the fuselage. You just gently bank it to the left and it flies like a dream. This is not an aircraft you're fighting, you're just guiding it across the skies and it does it. He's gentle. It's not only a whispering giant, it's a gentle giant. You've seen the film Cars. Why don't they make a film about a giant aircraft? A gentle giant. Hey, Pixar, come on. Regardez rien que cette approche, elle vous dit tout sur l'art et la manière de faire voler cette machine. C'est un avion qui se guide, c'est pas un avion qui se pilote. On lui dit pas fais-moi ci, fais-moi ça. Non, c'est un avion qui se guide. Fait une approche, une vente arrière qui est très très proche de la piste, par le travers du seuil de piste, le train est sorti, les volets sortis, on incline l'avion, on l'inscrit dans une courbe gentille qui vient se terminer sur la piste. Christophe Caille se fait plaisir, à moins que ce soit Thierry, dans le siège de droite qui pilote. Derrière, content comme tout, avec un sourire en banane qui lui fait le tour de la tête, il y a Gégé Desbois, l'ingénieur de bord, dont cet avion est d'un certain point de vue véritablement le bébé. Et voici comment on vient peindre sur la piste. Waouh. Allez les marins, appontez-le. The two pilots come from the French Navy and they're used in deck landings, but no, they're just, well, just a little bit of smoke. We've got a tail hook.